qu'il n'a pas été pris de vitesse, il a résisté à la vitesse. Toute la technique de Gabi Dib, les Lyonnais ont encore le ballon. Dans le bon tempo, c'était parfait. Et le bon centre travaillé de Mohamed El 3. Avec ce numéro 46, Mohamed El Arouche, lui c'est le plus jeune sur le terrain, mais pas le moins technique. Ouais, pas le moins nouveau 1-2 avec Lucas Paqueta, ouais, Mohamed El Arouche, Djibril Dib. Djibril très vite récupéré. Les jeunes qui se montrent, hein, dans ces premières minutes. Il y a du talent, il y a de la qualité. Mohamed El Arouche. Et ça a conduit deux balles avec Dubois. Ce sont vraiment les... Pressing payant. Perte de balle dans sa propre moitié de terrain, on se souvient. Il verticalise beaucoup, hein, Idriss Bounas. Qui a aussi plus de 200 matchs sous le maillot du Di. Avec Mohamed El Arouche. Qui a décroché Momo. Sauvé par son poteau, toujours 0-0. Et Mohamed El Arouche. Il y a du talent, hein, côté ukrainien aussi. Côté lyonnais avec Mohamed El Arouche. Ibrahim Dib. Idriss Bounas. Les passes, mais sur le, ouais, bien le joué. Même angle. La prise de balle, magnifique. C'est chez lui, on ne peut rien faire du tout. Donc, il faut vraiment qu'on puisse s'aligner. C'est... Toujours pas de faute. Lucas. Et Djibril Dib qui s'est positionné en numéro 10. Si on fait ça, il faut mettre Gabi Dib. Momo El Arouche avec Gabi. Ouais, bien fait ce triangle là. Faut pouvoir... ah, les points de Boyko. Ça revient sur l'Omami. Avec Momo El Arouche. Pied droit, pied gauche, la feinte. Oh, le très bon centre. Lucas Paqueta, la prise de balle. Place. Prendre sa place, voilà, ah, c'est un fait. Bon ballon, Mohamed El Arouche entre les lignes, Lucas Pac. Appuyer les ballons, faire vivre ce ballon le plus rapidement possible. Une partie du terrain est désormais ombragée. Idriss Bounas. Ouais, bien fait Idriss Bounas. Tino Kadewere, Mohamed El Arouche, la frappe puissante, surpuissante même de Mohamed El Arouche pour son premier but en professionnel. 2-1, une frappe magnifique. Le portier du Dynamo Kiev. Et 2-1 juste avant la revue. Une bonne partie et on allait rester sur cette perte de balle. Alors qu'il a été très très bon, Momo El Arouche et...